380 avec ses 4 précédents sur réacteur Rolls-Royce Trent 900 qui délivre 144 tonnes de poussée, c'est-à-dire 36 tonnes par moteur. Des dimensions imposantes. Un exemple, la gouverne de profondeur a la même taille que l'envergure d'un Airbus A320. Ça nous montre combien cet avion est immense. Une masse maximale au décollage de 575 tonnes, 73 mètres de long, 80 mètres d'envergure et une utilisation de commandes de vol électriques appelées Fly-by Wire. Eh bien, l'Airbus A380 est aussi manœuvrant qu'un Airbus A320 plus petit. Et je dirais même plus, c'est qu'aux commandes de cet avion, quand vous êtes pilote d'aéroclub et que vous voulez faire un virage à gauche ou à droite, l'avion répond à la même manière qu'un avion d'aéroclub. Et tout cela grâce à l'ingéniosité des ingénieurs de chez Airbus. Les ailes, la balade des ailerons. Et la balade des ailerons, eh bien, ils vont se lever de manière indifférente d'un côté comme de l'autre pour donner immédiatement la réactivité aux ailes sans justement qu'il y ait d'efforts structuraux. C'est extraordinaire. Sur cet avion de chez iFly, vous pouvez voir qu'il y est écrit Not too late for coral reef. C'est en dehors de l'efficacité incomparable de cet avion que iFly salue le soutien à la campagne de la Fondation Mirpuri. La Fondation Mirpuri, sauvons les récifs coralliens et qui vise à renforcer dans le monde entier le message de durabilité et de la protection des mers. Cet avion est spectaculaire, regardez, il est peint des deux côtés. D'un côté en bleu foncé, ça affiche les coraux qui sont détruits et ça contraste forcément avec l'autre côté qui est bleu clair et qui représente ça sur une base mondiale. Remise des gaz pour un atterrissage sur la piste 25. On suppose qu'on va parler de la suite du programme. Et oui, mesdames et messieurs, d'ici quelques instants, la suite des présentations en vol, en sachant que vous pouvez également profiter cet après-midi du statique et de tout ce qui vous est proposé au sol, au niveau des expositions, mais également des stands et une information.